C'est Lord Keeper, vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour le nouvel épisode de Level Up. Donc cette fois dans cet épisode on va essayer de monter de division. Parce que c'est vrai que ça fait quand même deux matchs, deux défaites. Ça fait un peu mal au cul. Mais bon, si c'est la vie, c'est la série. Parce que là on a quand même deux nouveaux joueurs, Modeste et Mvemba, qu'on a vu dans le dernier épisode, et Brillant. Donc voilà, ça fait quand même trois joueurs argent. L'équipe commence vraiment vraiment à se créer. Il y a vraiment moyen de faire du très très lourd. Donc on commence tout de suite avec le premier match. Donc au niveau de son équipe, ok, bon on va... Ok, pourquoi je tombe tout le temps contre des équipes comme ça, les gars? Pourquoi? Suarez, Pedro, Navas. Et ben, c'est pas les Pedro. Pedro, second in form. Suarez, international man of the match. Godin, Totti. Courtois, Totti. Ça fait mal au cul. Mais nous, on a Modeste. On a Brillant. On a Arnold Mvemba. Et on peut faire quelque chose. Ok, Luis Suarez direct. Ouh, la parade. Ouh, la parade de mon gardien. Je vous dis, ça déconne plus. Ça déconne plus du tout. Moi, j'ai plus envie de rigoler. Surtout mon gardien qui rigole pas depuis deux épisodes, qui est vraiment au taquet et boum! Sur la frappe de Suarez International Man of the Match, il est présent. Par contre, va falloir défendre parce qu'il y a du Godin. Il y a du Godin Totti qui va faire très très mal sur les corners, on le sait ça. Mehdi Zéphane sur son côté. Mehdi Zéphane qui va aller centrer sur la tête de Modeste. Modeste, il peut vraiment faire la place. Il peut vraiment vraiment faire du très très lourd au niveau des têtes. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Je vous le cache pas, car on joue l'efficacité. Et c'est vrai que ça faisait un peu plus plaisir qu'il y a Yacine Benzia qui pouvait peut-être des fois être un peu léger. Modeste. Modeste. Ta 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 ta. Ça passe juste à côté. Ça passe juste à côté, c'est la 45ème. Faut peut-être en profiter, un petit centre tête bien placé. Ça pourrait faire toujours plaisir. Par contre, s'il commence à nous mettre à la pression à la 45ème, je suis pas sûr que le script. Bon, c'était pas encore la 45ème, je crois que c'était la 44ème minute et des brouettes. Peut-être pour ça qu'il a pas marqué. En tout cas, ça fait plaisir. Attention à Suarez. Attention à Suarez. Le duel avec mon gardien. Bon, voilà, 56ème minute de jeu, ça commence à laguer. Ça me casse un peu les couilles de perdre, ça va peut-être me faire une troisième défaite. Là j'assurais le match nul, je pensais que ça allait. Et puis là sur un putain de contre favorable, Suarez il se prend face au gardien. Puis mon gardien il est bien gentil, mais c'est pas le meilleur non plus du monde face à un Suarez International Man of the Match 92 de général. À un moment voilà, faut être réaliste. Mais bon, c'est pas grave. Attention à Jesus Navas. Attention à Jesus Navas, la parade de mon gardien. La belle parade, la belle parade, ça revient dans les pieds. Attention encore le gardien, bien joué Dreyer. Bien joué Dreyer. La relance de Jésus-Christ sur Luis Suarez, là, il va lober et mon gardien qui va se faire lober d'une façon vraiment laide. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu anticiper ce bâtard. Mais bon voilà, voilà mon gardien qui se prend un petit lob. Ça fait 2-0 en seulement quelques secondes. Ça casse un peu les couilles. Ça casse un peu les couilles. Oh Modeste. Oh Modeste. Il est là Modeste. Il est là Modeste. Sur une frappe de jeunesse contrée, Modeste qui la met. J'ai cru qu'il allait la rater. On va pas se le cacher, j'ai cru qu'il allait la rater. Mais c'est quand même jeunesse qui fait le gros du travail. Donc peut-être un jeunesse level up. Peut-être un jeunesse level up, les gars. Attention, Pedro. Pedro, mon gardien, brin joué de rayeur. Je vous dis, le gars, c'est plutôt. Vous voyez le type de joueur salope? Bah, lui, c'est lui. Voilà, c'est lui. C'est les dégagements, gros dégagements devant, les gros passes profondeurs bien dégueulasses. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? On est en division. Attention à Jesus Navas. Attention à Jesus Navas, la parade encore une fois. La parade, mon gardien, je pense sincèrement. Ça va peut-être lui le level up. Ça va peut-être être lui. Le gros LBY pour Pedro. Pedro qui marque face à mon gardien. Impossible de l'arrêter, faut dire, c'est la 90ème. Ce qui nous fait donc perdre notre troisième match. Ce qui commence à faire mal au cul, les gars. 3 matchs, 2 perdus, sûrement la relégation. C'est vrai qu'après avoir fait 3 matchs, ça va être chaud. Il faut gagner, je crois, 4 matchs pour se maintenir. Quoi que c'est encore possible, c'est encore possible. Mais bon, voilà, on va éviter de trop s'illusionner. Ça va sûrement être la descente. Ce qui va peut-être nous permettre justement d'améliorer certains joueurs de notre équipe. En tout cas, je l'espère. On va aller voir qui a la moins bonne note justement de cet épisode. Attention, c'est mon gardien, c'est Dreyer, l'homme du match. Qui va donc nous permettre de passer à un gardien. Or, non, argent. Donc on se retrouve tout de suite pour voir qui j'ai choisi. Donc, qui j'ai choisi au poste de gardien? On va le voir tout de suite, Dreyer qui nous a vraiment été très très sympathique. Le petit Dreyer qui a vraiment fait de très très gros matchs. Mais il était un peu enfouissant face à la défense. J'aurais préféré que ce soit le défenseur. Malheureusement, c'est Dreyer qui s'en va. Et donc, il faut le remplacer par un joueur de son talent. Et donc, j'ai choisi un joueur qui était vraiment bon en gardien français. Faut dire qu'on n'a pas 36 des gardiens argent. Rémi Vercoutre, le Lyonnais, donc qui fait son apparition dans l'équipe. Ça commence à faire beaucoup de Lyonnais quand même, les gars. 4 Lyonnais sur une équipe de 11 joueurs. On commence vraiment à atteindre des quotas assez importants.
Donc c'est avec Rémi Vercoute qu'on va continuer cet épisode tout de suite pour le deuxième match et le dernier match. Et donc on va voir directement, il parle espagnol. Donc on va voir directement, c'est mieux en français, l'équipe qui nous propose, une équipe de 72 de général. Bon là déjà c'est plus accessible, là j'ai plus d'excuses, ils sont trop forts etc. Bon c'est vrai qu'ils sont quand même plus forts que moi, mais voilà. Donc déjà un gars qui fait une hybride comme ça, c'est un gars qui s'y connaît sur FIFA, donc ça me fait un peu peur. C'est vrai que voir des hybrides ça fait toujours peur parce que je me dis ouais voilà déjà le gars il commence à... touche la manette, on voit que c'est pas un débutant dans FIFA, voilà, il maîtrise beaucoup de dribbles. Ça va être difficile, mais j'espère qu'il va jouer les dribbles pour que je puisse empocher les 3 points. Oh oui, Modeste. Oh, Modeste. Encore Modeste. Allez, bats-toi. Non. On peut pas rater ça. On peut pas rater ça face à, en Division 3. Surtout qu'il nous faut des points. Il nous faut des points, alors il va falloir commencer à mettre des buts. Oui, cette phrase n'a aucun sens. Oui, cette phrase était facile. Mais on s'en fout. On s'en fout avec Videmont sur le côté. Videmont, la fin de Videmont. Les passements de jambes de Videmont. Il est touché dans la surface. Peut-être pénalty. Allez, allez, soyons fous. Non, bon, il n'y avait pas pénalty. C'est vrai, faut l'avouer. Bon, voilà. Là. Attention. Mais c'est quoi ce bordel? Et vas-y, Moret, il a marqué. Vas-y, Moret. Allez, c'est bon. Ça me dégoûte. Ça commence à me dégoûter. Là, c'est pas possible ce qui se passe. C'est pas possible ce qui se passe de se prendre un but comme ça, quoi. Sincèrement, Moret il peut pas marquer. Moret je veux pas qu'il marque. Voilà, vous avez vu l'envolée qu'il me met. Putain. Allez, on continue. On peut égaliser, les gars. Allez, Jimmy. Jimmy Briand qui s'avance face au cage. Oh non, mais c'est quoi ce tac de la dernière chance de. Ce gars a trop de chance. J'aurais fait penalty, mais j'étais sûr à 800%. En plus, il maîtrise 3 dribbles, mon gars. Allez, dégage, rends-moi le ballon. Dégage avec tes vieux comptes favorables. Rentre chez toi. Putain. C'est serré, les gars, je vous le dis. Ma défense subit énormément face aux attaquants qu'il a, Wallison, Kelvin, etc. Ma défense subit, je vous l'assure. Oula, grosse passe en profondeur pour Konaté. Bien joué Konaté. C'est ça qu'on veut, mon petit Konaté. Moret fait pas le con. C'est quoi cette frappe? Bien joué. Vercoutre, va falloir que tu te rattrapes pour faire oublier Dreyer. Parce que Dreyer c'était quand même elle, man of the match. C'était quand même l'homme. Le gardien quoi. Alors que là pour l'instant tout ce que t'as fait c'est de prendre un but des 35 mètres. Non. C'est quoi ce but de Ebechilio? Sincèrement les gars, c'est quoi ce but? On va pas se taper 4 défaites en 4 matchs les gars, c'est pas possible. Putain on a... Ah je viens de me coincer les doigts. Putain sa mère. Ah j'ai trop mal. Ah je vous assure putain je souffre sa mère. Putain mais c'est vraiment de la merde. Heureusement que quand vous regardez cette vidéo je suis en vacances, que là je le vis assez mal. Là je suis assez frustré quoi. Dédicace à vous quand je serai dans la mer tranquille à 30 degrés. Je penserai pas du tout à vous les gars, mais c'est pas grave, j'ai vraiment putain de mal, je viens de me niquer les mains. Putain de jeu de merde. Quel jeu d'enculé, en plus il est chaud, il fait chaud. Putain en plus c'est la mi-temps, je perds de 0. Ah mon doigt. Jeunesse. Oh le but. Oh le but de Jeuneste, qui va peut-être lui permettre d'être man of the match, homme du match, qui pourrait lui permettre de level up. En tout cas le but, c'est vrai qu'il le méritait, il faisait un bon match. Et donc là on revient à 2-1 sur un but de Jeuneste. Voilà, la victoire est impossible, la victoire je la vois vraiment pas, il y a vraiment peu d'espoir. Mais ce but de Jeuneste vient relancer notre équipe, ça c'est sûr. Ouais donc voilà. On a été vite calmé sur l'engagement, une grosse LBY sur Kelvin. Kelvin qui met la transversale rentrante. Vercoutre qui est vraiment transparent. Je ne sais pas qui est ce goal, mais il est transparent. Vraiment, je ne le vois pas. Qui est ce goal? Regardez-moi ça, vous allez voir, regarde ça. Salut, moi je suis Vercoutre, je suis... Bah ouais, bon, je tombe par terre. C'est trop dur le football. Bah oui, j'aurais dû faire boulanger, je le savais. Eh bien, jouez Vercoutre. Bien joué mon petit Rémi Vercoutre, c'est ça qu'on aime, la bonne sortie dégueulasse. Vraiment je regrette d'avoir acheté, première fois je regrette d'avoir acheté un joueur argent, parce que le Rémi Vercoutre est vraiment ignoble. Regardez-moi tout ce qu'il m'a fait, ce joueur est ignoble, vraiment. Donc là c'est la 85e minute de jeu, autant vous dire que ce match est perdu. Donc on va se retrouver à la fin. Donc voilà, je pense que je vais renommer la série sans trop rigoler. Essaye de gagner avec le talent de Djorkaeff. Je pense que ça va être le nouveau prénom de la série, parce que ça colle plutôt bien. Ça colle plutôt bien en fonction de des performances. Voilà, allez, allez Videmont. Allez, nique ta mère. Allez, rentre chez toi. Allez, non mais tu. Allez, vas-y. Vas-y, te prends pas la tête. Détends-toi. C'est l'été, rentre chez toi. Sincèrement.
Oh putain, c'était Grelby Grec, j'étais pas préparé. Donc voilà, ce serait bien qu'on gagne un petit match, peut-être pour le prochain épisode. En tout cas, là, le match est bientôt terminé, ce qui va nous permettre de tout de suite aller voir qui est l'homme du match. Et donc, l'homme du match n'est autre que... J'en ai marre de faire que... Modeste. Donc ça va être Modeste qui va monter, qui va devenir un joueur or non rare en buteur. Donc là, je commence à avoir une petite idée, on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir qui j'ai choisi. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de l'épisode. On a 4 matchs, 4 défaites, ce qui va nous permettre d'être relégués sûrement. En tout cas, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on a notre buteur qui va level up. On passe bien sûr de Modeste à un joueur, un buteur qui joue à Bastia. Il s'agit de Djibril Cissé. Donc c'est Djibril Cissé qui va nous suivre pour la suite de cette série. En tout cas, sachez que j'ai rajouté une petite règle, donc voilà, je vous l'ai dit à la fin. Sachez que si par exemple c'est Djibril Cissé qui devrait être le prochain joueur level up, il ne le sera pas. On prendra le deuxième joueur à la plus haute note de général, simplement pour éviter d'avoir un buteur extrêmement fort et le reste tout nul. Justement, je pense que or non rare est une limite. Et quand tout le monde sera or non rare, on pourra commencer à aller dans les or rares et les booster. Donc voilà, c'est sur ça que se termine cet épisode. Vous avez l'équipe devant vos yeux, j'espère en tout cas qu'elle vous plaît. En tout cas, j'ai été déçu que ça n'ait pas été Jeunesse. Sincèrement, Jeunesse faisait une très bonne partie. Donc voilà, c'était Jorkai, j'espère que le deuxième épisode vous a plu. Bye tout le monde, yeah.